Très bien. On va résumer ce que vous nous avez dit, Alan. Ces 13 dernières années, vous étiez piégé dans une dimension cauchemardesque. L'entre-noir, qui est comme New York sans être New York. On peut l'atteindre depuis le fond de Cauldron Lake, mais ce n'est pas vraiment sous le lac. Et après tout ce temps, vous avez réussi à fuir. Ouais, ouais. Comme votre double maléfique, Monsieur Grincement, ou est-ce plutôt l'ombre noire? Les deux, ils sont interchangeables. C'est Grincement quand c'est mon double, mais il peut emprunter une autre forme. Et Grincement, cette ombre noire, veut réécrire le monde selon sa propre image. C'est-à-dire à votre image, puisque c'est votre sosie. Et transformer le monde en horrible cauchemar. Pendant la fête du cerf, qui doit avoir lieu dans quelques jours seulement. Vous avez fui l'entre-noir en écrivant un roman, les pages que l'on a trouvées. Mais votre double a transformé en récit d'horreur qui modifie la réalité, prend possession des gens, leur fait perdre la tête. Et transpose l'entre-noir à Bright Falls. Je crois, quand la fiction se mêle à l'entre-noir, elle peut changer la réalité. Alors l'histoire devient vraie et elle envahit tout comme... comme les ténèbres quand la nuit tombe. La dernière fois... Vous voulez dire en 2010? Oui, la dernière fois, c'est pas arrivé d'un coup. L'histoire est devenue vraie à mesure qu'elle progressait. Et l'ombre noire était toujours liée au lac. Je l'ai stoppée avant qu'elle obtienne la fin qu'elle voulait. Avant qu'elle s'échappe. Conclusion. Il reste du temps. C'est là qu'arrive votre interrupteur magique. Le rupteur. Magique n'est pas le mot qui convient. Grincement le veut pour imposer sa fin à lui, mais c'est hors de question. Si je récupère le rupteur, je renverrai mon double dans l'entre-noir et j'éradiquerai toute cette merde. Écoutez, je sais que ça peut paraître dingue. Ma mémoire est pleine de trous. Je sais pas trop à quel point elle est fiable. C'est comme un rêve qui s'effacerait. Monsieur Wake. Alan. On a eu notre dose de trucs vraiment dingues au cours des dernières 24 heures. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi moi? Pourquoi nous, on fait partie de l'histoire? Je vous ai aperçu. C'était une vision, dans l'entre-noir. Je crois que, dans un sens, vous m'avez aidé à m'enfuir. Avec ça dans l'histoire, Grincement l'a peut-être modifié pour vous atteindre. Pour vous blesser. On est tous en danger. C'est dément. C'est tellement énorme. Bon. On a eu un bref récapitulatif de la Noéka encore une fois, qui coïncide avec ce que je vous avais dit il y a deux épisodes. Très bien! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet épisode 12, me semble-t-il, de la Noéka 2. On n'oublie pas d'ores et déjà de j'aimer le commentaire, les 4K 60 FPS, et on continue notre folle aventure, évidemment, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'avec Saga, on a une enquête, vous l'aurez compris, à mener. Interrogatoire d'Alan Wake. Mais ce rupteur, ça semble être un bon point de départ. Si on le rupteur, on ne sait même pas à quoi il ressemble, hein, pour le coup. Ok. Où est le rupteur? Très bonne question. Bon, on essaiera de résoudre ça un petit peu plus tard. C'est pas tout. Donc effectivement, New York, c'était avant qu'on trouve dans le lac, les amis. Hein. C'est là on a joué le passé. Du nom de Return, écrite par Alan Wake. Et le contenu de ce livre se réalise. Ça aurait pas pu être un roman d'amour. Ok. Oh, waouh! Waouh, waouh, waouh. Il y a une entité dans l'entre-noir qui s'appelle l'ombre noire. Ok.
Wake, sous la forme donc de l'ombre noire qui s'appelle Monsieur Grincement, veut transformer le monde en horrible cauchemar. Monsieur Grincement et l'ombre noire sont interchangeables. La lampe torche, lumière et ombre noire. Donc la lampe torche semble niquer, si je puis me permettre cette expression, excusez-moi, l'ombre noire. À l'intérieur, une lumière vive, Saga se sentit à l'abri comme si rien ne pouvait l'atteindre. Ok. Wake a été piégé dans l'entre-noir pendant 13 ans. Donc ça, faut le mettre. Attendez. Réfléchis. Attends. La fiction entre en contact avec l'entre-noir a le pouvoir de changer la réalité. Ah non, bougez pas. Bah oui. Bah oui. On est bon. Voilà, donc Wake qui se retrouve, la fiction. L'histoire change notre réalité. Le processus est progressif. Une autre étrange... Waouh. L'amalgame. Ok, l'amalgame. Comment y entrer? J'ai pénétré dans l'amalgame de Cauldron Lake en récitant le poème. Donc qu'est-ce que c'est l'amalgame? Une autre étrange réalité, l'entre-noir mélangé à la nôtre. Cet endroit et l'entre-noir, la page appelait cet endroit un amalgame. Cet endroit et l'entre-noir, la page appelait... Donc l'amalgame, c'est Cauldron Lake et l'entre-noir. Waouh, ça c'est sûr. Ok. Très bien. Attendez les gars, je vais tout... Oh merde, excusez-moi. En fait, je crois que c'était juste là, voilà. Comment l'histoire change la réalité? Des règles, l'histoire change notre réalité petit à petit, le processus est progressif. Et donc, la fiction entrant en contact. Ok. Comment arrêter l'histoire? Wake doit récupérer le rupteur avant Monsieur Grincement. Vous l'aurez compris. On en est là, donc. Vous l'aurez compris. Et... Wake, si on ne l'arrête pas, Grincement utilisera l'histoire pour modifier définitivement le début de la fête du cerf. Et ça, on ne l'a pas encore. Ça sera donc, vous l'aurez compris encore une fois, pour plus tard. Regardez-moi ce tableau-là. Ah, c'est une sacrée enquête. Hein. Mais tout ça, c'est un bon récap. C'est un bon récap de Alan Wake 1 et de ce qu'on vient de vivre là au tout début. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre? Ils sont louches. Ils aiment porter des masques de cerf, faire des rituels meurtriers... Les victimes se changent en monstres, possédées par les ténèbres. Le tout sûrement inspiré d'une histoire d'horreur écrite par un certain auteur. Alors, ça vous dit rien? La secte. Si. Si, ils ont le rupteur. Si la secte a le rupteur, ses adeptes obéissent à Monsieur Grincement? Pourquoi êtes-vous aussi sûr qu'ils ont le rupteur? Ils travaillent peut-être... Pour Grincement, je m'en souviens pas, tout se mélange. Alan, si je dois me baser sur vos infos pour agir, vous devez être honnête avec moi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est perdu? Ou est-ce qu'il cache quelque chose? Ok. On va pouvoir faire un profil Age. Mais avant cela, quand même, on me la fait pas à moi. J'ai un tableau d'enquête à mener. On est parti. Non, pourquoi? Wake, les adeptes de la secte sont peut-être des fidèles de Monsieur Grincement, après tout, ils ont le rupteur. Rituel, secte, c'est quoi? Non, objectif de la secte. Voilà. La secte bosse avec quelqu'un. Ok. C'est infernal de trouver où mettre quoi, par contre, des fois. Hein. On est bon? Où est le rupteur? Donc, c'est la secte de l'arbre qui est en possession du rupteur. Vous l'aurez compris. Il est temps de faire un petit peu du profilage, c'est-à-dire de la divination. On en est là avec Saga. Selon Wake, la secte a le rupteur. Comment le sait-il? L'écrivain est le lecteur. Prochain chapitre. Protégez les pages, la brillance sombre des mots. Wake cache des pages partout. C'est comme ça qu'il sait que la secte a le rupteur. Wake a un double.
Monsieur Grincement. Où est-ce qu'il est ? Un nuage de rage sur mon visage. L'antre noir dans cet antre. Réduisant mon travail à néant. Grincement est là, à Washington. Il pourchasse Wake. Oh ? Grincement ressemble trait pour trait à Wake. Pourquoi ? N'éveille pas le rêveur si ta vie est un rêve. J'ai atteint le rivage, mais l'eau continue de monter. Wake et Grincement ont bel et bien un lien. Wake a peut-être fait sortir Grincement avec lui. Ou l'inverse. Bon, encore une fois, c'est de la divination tout ça, hein ? Vous l'aurez compris. Très bien. Monsieur Wake, je sais que vous avez d'autres pages du manuscrit sur vous. Vous ne savez pas à quel point ces pages sont vitales. C'est mon seul moyen de connaître l'avenir. Vous n'êtes pas le seul à chercher une réponse. C'est aussi notre boulot. Bon. Tenez. C'est tout ce que j'ai. Prenez-en bien soin. Ok, c'est la seule page qu'il a vraiment. Dans le mobile home, aux abords de Watery, Saga avait vu pour la première fois le fameux rupteur de Wake, dans les mains de la secte de l'arbre. Un adepte l'observa. Elle sortit son arme. Waouh! Debout dans direction le mobile home, aux abords de Watery, Saga avait vu pour la première fois le fameux rupteur de Wake. Mobile home aux abords de Watery. Très bien, merci. Et merci la zone. Bon bah on sait où aller les amis, on sait où aller. Allez, tableau d'enquête, ça faut vraiment prendre soin de ce tableau. On sait où il est. La secte de l'arbre, Mobilo, le rupteur dont Wake m'a parlé. Elle est mêlée à tout ça. Allez, tout est sur cette page. Le rupteur, la secte. Très bien, je vais à Watery pour trouver le mobilhome. Casey, reste ici et garde un œil sur Monsieur Wake. Compris. Non, il faut que je vienne. C'est hors de question. Il s'agit d'une enquête du FBI et je vois pas d'insigne sur votre espèce de chemise. Désormais, vous pouvez alterner entre Alan et Saga via le saut dans la salle de passage du concierge. Leurs histoires sont jouables dans l'ordre de votre choix. Quoi ? Comment ça ? La salle du concierge. Hey, bienvenue. Allez, ancien meilleur char de la fête. Et mon frère. Go ! L'horrible marionnette en laine. Les animaux empaillés. Oh non, sûrement pas. Ok, Watery. C'est la troisième fois que je demande qu'on fasse quelque chose pour la télé dans ma chambre. Toutes nos attractions qu'on n'arrête pas de s'allumer toute seule. Aux enfants de tous âges. C'est impossible. Tout comme ok. Très bien, je comprends. Bon, Watery, les gars, mobile home. Les gars, c'est trop intéressant ce qui se passe. Watery, on est où ? Watery, 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 mobile home. Sentier naval, manoir, Watery, un mobilhome. Bon bah écoutez, on va voir, on va marcher jusqu'à ce qu'on trouve un mobilhome peut-être, non ? Hey. Je sais pas. Ça, c'est trop cool. Hein. La petite partie open world, un peu, pour calmer tout ce qu'on a vécu, là. La phase avec Alan Wake à New York était quand même assez cool. J'espère vraiment que vous avez kiffé. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Ça va, tout le monde est bizarre ici. Tout le monde a des comportements chelous. Watery. Et la rose. Non, elle est pas là. Watery. C'est embêtant les gars. J'ai pas Watery, Watery, Watery. Mobile home. Bureau du shérif, ça on s'en fout. Retrouver le rupteur à Watery. Mais alors les gars, il faut que je prenne ma voiture. On n'est pas à Watery, on est à Bright Falls. Ça veut dire c'est une nouvelle map.
Je comprends pas. Incroyable si c'est le cas. Pour moi, Watry, c'est un endroit, un petit quartier, tu vois, du qui. C'est un petit endroit du quartier, quoi, comme on dit dans le milieu. Bon, c'est pas grave, ma voiture est juste ici. Peut-être qu'on va juste la prendre. À Watery. Ah, il y avait un mobile. Oh, près de Cauldron Lake? Non. Let's go, Watery. Oh là là. Oh là là. Je suis pas serein. Ouais, Anderson, je voulais pas te dire tout ça devant Wake, mais t'es sûr que c'est vraiment une bonne idée d'y aller toute seule? Si on se fie à cette page, je dois vérifier ça. On doit trouver la secte. N'importe qui ici pourrait être un adepte. Et ce grincement... Le sosie maléfique, ça doit être vrai, ou bien ce type ne sait pas écrire. Mis à part ses talents d'écrivain, si cette page reflète la réalité comme les autres, ce sera une vraie avancée. Ce sera peut-être même réglé avant l'arrivée des renforts. Je crois qu'ils prennent leur temps. Alors, sois prudente. Pendant ce temps, je crois que je vais discuter avec Quake. J'arriverai peut-être à le secouer un peu. Ok. Mais oublie pas ce qui s'est passé avec la salière. Ah, ouais. Super drôle. Ok, nouvel endroit. La page me situait dans un mobilhome à Watery. Je devrais me renseigner. Une fille du coin. Return 3. Donc Return, c'est quand on joue avec Saga et Initiation. Oh, c'est terrible. Sur madame. On va rentrer dans un bar, hein, les gars, pour se renseigner. Rien de mieux que rentrer dans un bar. Nouvel endroit, les gars, on n'est jamais venu là. Excusez-moi, vous saurez sa cache. Mathieu est en pleine représentation. Je dois être le seul agent du FBI à qui on demande de se taire. Ah, d'accord. Chouette morceau. Ok. Ok, très bien, on peut save. Eh bien, écoutez, on va sauvegarder alors. Tout une bonne nouvelle. On a perdu la lumière. Vous entendez, n'empêche ? Changement de réalité. C'est dans les salles comme ça, on peut aller voir Wake. Ok, bon, on va continuer notre enquête, les gars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué Saga. Est-ce la Nessie de Watery? Une source anonyme a envoyé une photo à nos éditeurs prétendant qu'elle avait été prise à la dernière pleine lune. Un énorme monstre caché au fond de l'eau ou un canular bien élaboré. Ok. Bienvenue à Coffee World, un parc d'attractions étonnant ouvre à Watery. Oh waouh. Très bien. Il y a des noms bizarres ou pas? J'essaye de checker s'il n'y a pas des noms un peu chelous. Des trucs qui me disent quelque chose. Pas l'air de voir. Ok. Ok, une petite cache. Il n'y a rien dedans, c'est évident. Bon, mais écoutez, on... rien d'intéressant. Bonjour, vous auriez une seconde? Ah, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, Madame Anderson. Thor et Odin ne sont pas là. Ces deux vieilles canailles, toujours en cavale. Désolée, mais à vrai dire, je voulais vous parler d'autre chose. Est-ce que vous vivez par ici? J'habite à Bright Falls. On s'est déjà croisés. Je suis Monsieur Bloom. Vous savez, Vladimir. Je bosse à la maison de retraite. Je m'occupe des personnes âgées. On fait une petite sortie. Musique, sauna, on s'éclate. Je les amène ici en bus. C'est important de prendre soin de nos anciens.
Et c'est un très beau bus. Merci. Vous pourriez me dire où est-ce qu'il y a des mobilhomes? Oui, le parc de mobilhomes de Watery. Il appartient à Ilmo Koskela, comme plein d'autres trucs en ville. Et il est où, cet Ilmo? Je l'ai vu avec son frère du côté du pont. Enfin, ce qu'il reste du pont. Cet homme est d'ores et déjà chelou. Pas trop ce qui peut se passer. Un parc de mobilhomes, c'est là qu'on trouve des mobilhomes. C'est logique, Saga. Donc, que c'est Ilmo? Très bonne question. Toujours rien à ce sujet-là. Je dois très bien. Ilmo Koskela. N'oubliez pas que j'ai pas la carte, hein, toujours des lieux. Waouh, la tête de folie que tu as! Ok, on entend des gens dedans. N'oubliez pas que j'ai pas de carte, normalement des lieux, je confirme. Carte non découverte. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ça a l'air tout petit, hein, Watery, hein. Les motos à l'arrêt. Par ici! Salut, Ilmo. Alors, Steven a aimé sa balade dans les bois? Encore un client satisfait. J'espère juste qu'il nous mettra une bonne évaluation sur notre page web. Content de te revoir à Watery, Saga. Tu as manqué à tout le monde. C'est super sympa de te revoir, Saga. Il faut comme s'il me connaissait depuis des années. C'est pas la première fois. What the fuck? Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre? Ouais, on a toujours cru que c'était une légende urbaine. Des gamins qui faisaient des symboles flippants pour se faire peur, mais... C'est devenu super réaliste, non? C'est horrible ce qui est arrivé. On est tous sous le choc. Oui, eh bien, on enquête là-dessus. Les choses devraient bientôt revenir à la normale. Ce serait super. Enfin, aussi normal qu'elles l'ont toujours été. Le parc est à vous, c'est ça? Est-ce que ça vous dérange si je jette un petit coup d'œil? Ouais. Je suis quasi sûr que le gérant du parc de mobilhomes de Watery, moi, peut vous aider. Notre résidente la plus drôle est de retour. Résidente? Je vois pas ce que vous voulez dire. Si c'est ta façon de te débarrasser des factures impayées, mais t'inquiète pas, elles sont réglées. Ça doit être dur de revenir à l'endroit où tu vivais avec ta fille. C'est comme si elles se souvenaient d'une autre réalité. Est-ce que l'histoire d'horreur embrouillerait leurs souvenirs? Non mais attends. Et c'est quoi ça? Pour eux, ma fille est morte aussi dans le lac. Comment? T'as même pas vu notre publicité? Coffee World est un mélange onctueux d'attraction et de bouffe. On avait même un élan, jusqu'à... très récemment. Et juste à côté de Coffee World, il y a l'atelier de notre motoclub, les Chevaliers de Kalevala. On s'occupe de fabriquer les chars pour la fête du cerf. Mais va pas fouiner. Tu comprends? On veut garder la surprise pour la fête. Donc, vos publicités? C'est pas que des publicités, Saga. Notre but est de divertir et d'éduquer les téléspectateurs sur les produits et les services qu'on propose. Et Yako, ici présent, est un vrai pro devant les caméras. Sérieux? Ta gueule. Je suis juste là pour la bière gratuite. Par contre, je sais pas c'est quoi l'excuse du mot. Je suis scénariste, producteur, acteur, réalisateur. Franchement, ce serait pas mal que t'arrives à t'en souvenir. Je dois en apprendre plus avec le profilage. Ça commence à être très bizarre ce qui est en train de se passer. Les amis, on réouvre le dossier d'enquête fait versus fiction. Parce que ça me fait très peur. Que l'histoire changera la réalité autour de nous. Si c'est vrai... Je dois distinguer le réel de la fiction. Oh, ça, c'est très intéressant. Donc, est-ce que ma fille est morte? Est-ce que ma fille n'est pas morte? Alors. Ma vie à Watery. Ça, il faut que je les interroge. Je comprends pas. Pourquoi elle ne lui demande pas? Pourquoi elle dit pas juste « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» Rose m'a reconnu au resto à Bright Fall. Elle dit que j'ai déménagé après la mort de Logan. Rôle de Logan dans l'histoire.
Putain, j'enquête même sur ma propre fille, les gars. Tellement c'est la merda. Ok, on va profiler les deux, là. Les deux zigotos. Elle dit que la secte n'est qu'une légende urbaine. Mais est-ce qu'il y croit ? Il y a des choses terrifiantes la nuit. Tout est vrai. Tout est vrai. Déclenche l'alarme, frangin. Rassemble les troupes, frangin. Yako, l'ombre de la forêt s'approche tout doucement. Ils ne croient pas que c'est une légende urbaine. Ils savent que c'est dangereux. Eh ben, je vais pas tomber sur une enquêtrice en comme ça, hein. Mots, j'ai vécu là. Lumière, rire et amour te guideront chez toi. Saga et Sagamine. Bon sang. Des visages souriants, ça fait monter les prix. La famille d'abord, Ilmo. On s'occupera de son mobilhome plus tard en son absence. Elle est avec nous, Yako. Le double des clés est à l'abri. Les frères Koskela ont de bons souvenirs de mon passage ici. Je pense que c'est l'histoire qui les affecte. Je vais jouer le jeu pour l'instant. Il me faut la clé du mobilhome. Ok, qui est dans l'abri. Oh, waouh! Showtime. La piste de la secte, donc. Ok. Que c'est Ilmo? Ilmo est sûr que j'habitais ici avant. C'est terrible. Bon, assez plaisanté. Oui, j'aimerais voir mon mobilhome. Est-ce que vous avez un double des clés? Tant mieux pour toi. Ouais, j'ai un double des clés, mais il se trouve à Coffee World. J'irai bien le chercher, mais Yako et moi, on doit aller à Bright Falls. C'est dans le coffre de la boutique de souvenirs. Je vais appeler pour que quelqu'un les mette à disposition. Ah, la route est inondée. Mais si tu suis le sentier derrière moi, il t'y conduira. Appelle la boutique de souvenirs pour qu'ils aident Saga. Ouais. Ok. Très intéressant. Les Koskela croient que je vivais dans un mobilhome avec Logan. L'histoire change véritablement les souvenirs des gens. Pourquoi les miens ne changent pas? Bon. Eh ben écoutez, on aura la réponse très bientôt. À l'avenir. Maintenant les Koskela, ils pensent tous que Logan et moi, on vivait ici. Waika a dit que l'histoire d'horreur rendrait les gens fous. Comme s'ils étaient formatés pour y croire. Est-ce qu'elle se répond? Mais là, je me dis, est-ce que ça s'est pas vraiment passé? Et c'est moi qui ai perdu la mémoire parce que l'histoire a changé ma mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible. Tom, le poète. Barbara Jagger, l'ombre noire. Vous avez vu? Basé sur un roman d'Alan Wake. Une étrange plongée dans les sombres profondeurs de l'esprit d'un artiste. Le double maléfique dans l'art et la vie de Thomas Zane. What the fuck? Évocation des débuts de carrière de Thomas Zane. Mais attends, mais là on est dans une entre-noir là, non? Bon les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt pour la suite de cette aventure. C'est juste fou tout ce qui se passe, mais on commence à comprendre certaines choses.